l'apport des technologies du numérique dans la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical en Afrique. Quels enjeux sur la gestion des risques et la sécurité des patients? C'est le thème de cette deuxième édition de la Conférence internationale des ministres de la Santé et de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique, CIMSA 2018. Cette conférence, qui rassemble à Cotonou d'éminents scientifiques et chercheurs, s'inscrit dans un contexte mondial. Il est aujourd'hui reconnu que les technologies de l'information et de la communication ont un fort potentiel pour faciliter et améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi médical. De nombreuses innovations technologiques ont émergé et permettent une pratique médicale améliorée, une telle que la consultation médicale à distance, l'analyse des données médicales, la transmission d'informations à distance, etc. Ainsi, des résultats précis sont attendus des travaux de la CIMSA 2018 en faveur de la e-santé. Au terme de nos travaux, nous devons obtenir le profil de la situation de la sécurité des patients et de la gestion du risque et de la maturité numérique dans les établissements de santé dans l'espace CE de Yaou. Les bases stratégiques de la mise en place d'un observatoire régional de veille stratégique et de développement des technologies du numérique dans le secteur de la santé, la déclaration sur l'amélioration de la sécurité des patients en milieu de soins et la cybersanté en Afrique, des recommandations sur les stratégies pour l'amélioration de la sécurité des patients et la transformation numérique du secteur de la santé en Afrique. La CIMSA 2018 vise entre autres à contribuer à la mise en place de stratégies opérationnelles de développement des technologies numériques dans les établissements de santé. Le mariage TIC et santé promet donc un bel avenir pour la qualité et la sécurité des soins en Afrique. J'en veux pour preuve le lancement réussi en 2014 du projet M-Diabète au Sénégal dans le cadre de l'initiative BLFB Mobile, qui comptait en fin 2017 plus de 120 000 inscrits dans sa base de données. Le projet M-Cancer du col de l'utérus, lancé en Zambie en 2016, suit la même lancée avec plus de 200 000 et 250 000 femmes inscrites en 2017. Le Bénin, qui vient d'élaborer sa stratégie de cybersanté, peut déjà compter sur ses talents dans ce domaine, a insinué le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchané, qui a ouvert la CIMSA 2018. Une de nos compatriotes, Ariel Aranceau, une jeune béninoise qui était déjà célébrée à Paris il y a quelques semaines, est la fondatrice de Kia Medicals, une start-up qui conserve les dossiers médicaux des patients pour leur permettre d'être plus facilement pris en charge dans tous les hôpitaux de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant inviter les hommes et les femmes du monde scientifique et de la recherche qui ont effectué le déplacement ici à Cotonou, à l'action. Par vos réflexions, consolidez les nombreux appels des organisations internationales de la santé et du numérique en vue de réaliser un changement de paradigme dans l'offre de soins de santé aux populations africaines. La CIMSA 2018 récompensera aussi des talents, des développeurs d'applications digitales dans le secteur de la e-santé au niveau de notre sous-région.